me in, let me in, yeah. Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer un compte sur Unload Tool. Et bien vous savez que c'est très important pour pouvoir activer vos licences. Donc dans ce tutoriel, je vous montre là comment on le fait. Là je tape unloadtool.net et j'ouvre sur le navigateur. Voilà, vous avez l'interface de Unload Tool. Là je viens sur les trois points en haut et je appuie sur registre afin de m'enregistrer sur la plateforme. Là j'ai sign up, donc je vais mettre là un nom d'utilisateur. Je mets par exemple Axel 5555. Là je vais mettre une adresse mail au hasard que je vais utiliser et là je mets un mot de passe, mais tâchez à mettre un mot de passe assez sécurisé car la plateforme n'accepte pas les mots de passe faciles ou les mots de passe faciles à trouver. Donc là je mets mon mot de passe et en bas, tout en bas, je valide le mot de passe. Donc je vais mettre un mot de passe assez un peu compliqué parce que le précédent n'avait pas marché. Donc je vais mettre un nouveau mot de passe et je vais valider en dessous en mettant, en confirmant le mot de passe. Donc comme vous le savez très bien, pour pouvoir activer vos licences, j'ai besoin que vous m'envoyez l'adresse mail et le nom d'utilisateur. J'ai pas besoin de votre mot de passe parce que je veux juste activer votre licence. Donc voilà, le compte a été créé et là je peux login maintenant. Donc une fois le compte après s'être enregistré, je peux login et voir en fait mon compte. Donc là je mets Axel 555 et en bas je mets le mot de passe que j'ai inséré lors de la création du compte. Là je valide le captcha en dessous et j'appuie sur login. Là je peux enregistrer le mot de passe ou le faire plus tard. Voilà, donc une fois j'ai enregistré le mot de passe, voilà la plateforme qui me montre tous les services disponibles. Et tout en haut là, si j'appuie là, vous allez voir, voilà mon compte Axel 555. Donc c'est ça le nom d'utilisateur. Donc à défaut vous pouvez venir là dans account et une fois que vous êtes dans account, là je vais entrer là dans account, voilà ici, voilà, voilà maintenant les informations dont j'ai besoin pour pouvoir activer vos licences: le nom d'utilisateur et l'adresse mail. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de vous abonner tout en activant la cloche de notification et on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tutoriel sur iStore 237. Merci et à la prochaine, portez-vous bien.